Vous savez quoi, les gars? J'adore le smooth jazz. Et là, je vais vous faire écouter ce petit morceau très très sympathique. Et vous allez m'en dire des nouvelles. Vous allez m'en dire des nouvelles. C'est marrant parce que sur certains sons, tu sens que les Infinity Kappa 70 sont vraiment très précises. Là où, du coup, la kef sur d'autres sons, ça peut être un petit peu. Ça va être moins détaillé, tu vois. Franchement, attention, attention, parce que c'est vrai qu'à l'écoute, tu vois, à l'écoute comme ça. Quand tu switches, c'est vrai que tu as plus de puissance sur la kef. Je dirais que c'est un petit peu plus démonstratif. Mais au niveau musical, je vous dis musical sur les Infinity, c'est très très équilibré. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. C'est dommage que j'ai pas les Kappa 80. Les Kappa 80 avec des 20 cm. Parce que là, du coup, le duel aurait pu être plus juste, et on aurait vraiment vu un petit peu comment que ça se débrouillait entre les deux. Bon, même si là déjà t'as un petit aperçu, surtout au niveau musical. Bon, en termes de grave, hein, il y aura toujours plus de grave avec la kef, mais bon, voilà. Donc je te fais écouter ce morceau de Smooth Jazz. Les gars, je vous le dis. Smooth Jazz, mais
C'était vraiment agréable, et là vraiment j'ai bien aimé les Kappa 70 avec ce son bien en place. Là où sur la Kef, c'est sûr, il y avait du grave et tout, mais je trouvais qu'il y avait moins de précision en fait. Voilà, moins de précision et voilà, tout simplement. Pas besoin de rajouter plus, hein. Mais tu vois, ça dépend des musiques, hein. Ça dépend des musiques. Allez, on va essayer un petit dernier son pour la dernière petite démo.